Le prochain mercredi de la santé sera le 24 août et nous parlerons de la pharmacie familiale. Qu'est-ce qu'il faut avoir à la rentrée scolaire avec tous les problèmes que les enfants peuvent avoir au niveau de la santé? En ayant uniquement une vision sur les traitements naturels et ceux que l'on peut obtenir en pharmacie sans nécessairement aller voir un médecin, donc sans ordonnance. Nous parlerons des problèmes ORL, des rhinopharyngites, des otites qui sont assez fréquentes chez les enfants, la toux, les problèmes oculaires avec les conjonctivites, les petits bobos, les petites blessures que les enfants peuvent avoir à l'école qui sont sans grande importance, mais il faut avoir ce qui est nécessaire pour bien les soigner sans leur faire peur. Et puis le stress de l'école qui peut être, pour des enfants qui démarrent cette année la rentrée, peut être aussi est nécessaire à régler. Enfin, le mal au ventre, les petits problèmes digestifs et aussi la nutrition de ces enfants à la rentrée scolaire, avec ce qu'il faut exiger évidemment de la nutrition de l'école et ce qu'il faut essayer de rattraper quand ce n'est pas terrible à l'école, à la maison. Donc au 24 août à 20h30.